Bonjour tout le monde et bienvenue, j'espère que vous allez bien. Je vous propose aujourd'hui deux idées de recettes populaires de la cuisine marocaine à base de lentilles. Alors on commence par la première. J'ai pris à peu près 400 g de lentilles, je les rince à l'eau froide. Pour ne pas oublier, je vous remercie à toutes et à tous pour vos aimables commentaires et pour vos encouragements. Et si vous appréciez ce genre de recettes, dites-moi en commentaire. Et n'oubliez pas le pouce bleu, d'aimer la vidéo. Je les laisse tremper dans l'eau, le temps de préparer les autres ingrédients. J'ai coupé un oignon finement et la carotte en petits morceaux. Un mélange de persil et coriandre fraîche. Les gousses d'ail. Et je mets tous ces ingrédients dans une marmite ou dans la cocotte. Je rajoute les lentilles trempées dans l'eau. Puis les épices. Petite cuillère du sel. Du poivre. Demi-petite cuillère. Petite cuillère du paprika ou le piment doux. Feuilles de laurier. Et une cuillère à soupe de concentré de tomate. Bien sûr, de l'huile d'olive. Je rajoute l'eau bouillante, je ferme la cocotte et je laisse le tout cuire et ça ne prend que 15 à 20 minutes. À la fin de cuisson, je rajoute les olives, tranches de citron et le piment fort. Après 15 minutes de cuisson, la soupe de lentilles est prête. Voilà, ça sent tellement bon. Maintenant, je rajoute les olives, les tranches de citron. Si vous en avez le citron confit, vous pouvez l'ajouter. Ça donne un très très bon goût. Et le piment fort. Riche, nutritive, à servir chaude avec du pain maison, avec du poisson, une petite salade et jus d'orange, un délice. Je rajoute un fil d'huile d'olive dessus et voilà, prête à être servie. On passe maintenant à la deuxième recette. Cette fois-ci, on va préparer une petite salade à base de lentilles, rafraîchissante, riche et pleine de vitamines. Bien sûr, préparation très rapide et facile, comme vous allez voir. Alors j'ai pris un petit bol à peu près 200 g de lentilles, je vais les faire cuire dans l'eau pendant environ 15 à 20 minutes. En parallèle, je vais préparer les autres ingrédients. Alors, j'ai pris du poivron vert. Je vais le faire griller sur feu de tous les côtés. Vous pouvez aussi le mettre au four.
Comme ça, vous allez obtenir un très très bon goût fumé de poivron. Maintenant, je vais retirer la peau délicatement sans laver le poivron et je le coupe en petits morceaux ou en petits cubes. Je vais couper aussi un petit oignon finement. La coriandre ou du persil frais. Et les tomates cerises. Cette salade est tellement bonne, tellement délicieuse, riche et nutritive. Et voilà, je mets tous ces ingrédients dans un saladier. Je râpe une carotte dessus. Les lentilles cuites et laisser égoutter. Alors, il faut les laisser refroidir. Moi, je n'ai pas le temps, donc je les ai ajoutées. Le jus de demi-citron. Et pour l'assaisonnement du sel, du poivre, juste le bout d'une petite cuillère de cumin et de l'huile d'olive. Une bonne quantité de l'huile d'olive. Et je mélange le tout. Et voilà, notre salade est prête à être servie. Vous ajoutez aussi les olives, le maïs, donc selon ce que vous avez. Et du thon aussi. J'espère que cette petite salade vous a plu. Si vous appréciez les recettes d'aujourd'hui, n'hésitez pas à visiter ma page Facebook. Vous trouverez d'autres idées de recettes, toujours accessibles à tout le monde, faciles à préparer, avec des ingrédients simples. N'oubliez pas le pouce bleu, le partage et de me laisser vos commentaires. Je vous remercie de suivre la vidéo et je vous retrouve prochainement.